se met en route gentiment vers la voiture. Continue de baisser pour Primavera Magnus, 4,70 €. Également beaucoup d'argent sur In Love du Large, hein, 6,70 €. C'est bien logique, hein, étant donné qu'ils viennent de se donner la réplique l'un et l'autre. Attention au départ. Allez, c'est parti dans cette épreuve avec le numéro 3 qui prend un excellent départ, Rodidesco, le 5 Oliver RW qui vient en deuxième position, le 8 également bien parti, c'est Orienta Pop. Et puis Olero Bess qui partait en deuxième ligne et qui s'annonce tout à fait à l'extérieur, mais très au large dans le premier tournant. Alors que c'est déjà terminé pour le numéro 2, 10 et 2, faute de ce numéro 16 qui était pourtant bien parti depuis la deuxième ligne en tête de course. On retrouve directement le numéro 3, Olidesco. On a pris le relais avec le numéro 5. À présent, c'est Olivia RW. On vient en deuxième position avec Orienta Pop. On vient en quatrième position avec le compliqué Oberon S, suivi par la favorite Onator Putain, qui a pris un départ volant depuis la deuxième ligne, puisqu'elle vient déjà en cinquième position. Le 10, le 2 et le 16 disqualifiés. Le numéro 10 qui était l'un des concurrents en vue. Hein. Le 10, In Love du Large. Le 2, Oriento Above. Et le 16, Olero Bez. Donc passe à la trappe. On revient sur la tête de course avec notamment Olivia RW qui contrôle la situation pour l'instant. Deuxième position, le numéro 3. En l'occurrence, Olidesco. À l'extérieur, nous avons le 8, Orienta Pop. Et puis, il y a une petite cassure derrière. On se rapproche quelque peu avec Anna Hagen en dehors avec le numéro 4, Oberon S. À son intérieur, nous avons le 11, côté corde, Harmonie du Source. Et puis, pour l'instant, la favorite, Ona Terputen, se sort un peu de tous les pièges. On vient de disqualifier le numéro 13, Only Peerless. Ona Terputen qui vient actuellement en 8e position. Ça va toujours bien pour l'animatrice qui est toujours cette numéro 5, Olivia RW. On la suit toujours avec l'autre débutante, Olidesco. Harmonie de Source vient en troisième position. On fait la corde avec l'As ID Spécial qui vient quatrième, accompagné à l'extérieur par le numéro 8, Orienta Pop. Allez, le 5 en tête, Olivia RW. L'As vient d'être disqualifié, le 15 disqualifié à son tour. Course par élimination. Hein, et pour l'instant, la casaque verte de la favorite, on interputaine, se maintient en 6-7e position. On évite un peu les pièges de la course. Ça va bien en tête pour le numéro 5, Olivia RW. Olidesco est toujours en 2e position, suivi encore par Harmonie du Source. Petite cassure derrière pour retrouver le 14 de Primavera Magnus, qui va être débordé par Ona Terputen. L'animatrice va toujours très bien, elle va toujours bon train et régulier en tête de course. C'est le numéro 5, Olivia RW. On vient l'attaquer avec Harmonie de Source, toujours la corde pour le numéro 3, Olidesco. On tente de quitter la regarde également avec la favorite qui s'annonce bien. Et toujours caché, ce numéro 12, Ona Terputen, qui attend son dos, qui attend son heure et qui se rapproche dans le sillage de Harmonie de Source. Ouais, course à l'économie hein, pour Ona Terputen, mais c'est le 11 qui prend l'avantage maintenant. Harmonie de Source avec Herman de Rieder. On n'en peut plus en tête avec Olivia RW. En deuxième position, on va passer avec Ona Terputen. Le numéro 12 lancé à la poursuite du numéro 11, Harmonie du Source. Harmonie du Source qui a pris l'avantage en deuxième position, le 12, Onator Putain. L'animatrice de la première heure, Olivia RW, qui rentre dans les rangs, qui est quelque peu fatiguée, ce numéro 5. Ensuite, on retrouve le numéro 9, Overlord, pour les places. Les allures du numéro 11 n'ont pas convenu au commissaire et elle vient d'être disqualifiée avec maintenant la favorite qui est seule en tête, Onator Putain. Le 12 qui va filer au poteau, le 11 est disqualifié. Hein, la casaque bleue en dehors, disqualifiée pour ses allures. La deuxième place va revenir en très net retrait pour le numéro 14 et la troisième place pour le 9, Overlord. La favorite qui triple la mise et qui reste invaincue, trois parcours pour elle en compétition, trois victoires pour cette Onator Putain. Deuxième place pour le numéro 14, Primavera Magnus, qui reprend le fil de ses bonnes sorties. Troisième place pour le numéro 9, Overlord. Quatrième, le 5, Olivia RW, l'animatrice. Alors, on ne tient pas compte de Harmonie du Source, hein, qui a été disqualifié en fait dans le tournant final. On a vu que ça se désunissait complètement au niveau des postérieurs pour Harmonie du Source. Donc, le 12, le 14, le 9, les deux favoris finalement disqualifiés. Le 7, Pauline de Grèce, vient rejoindre les disqualifiés dans la phase finale. On a eu quand même pas mal de chevaux fautifs, hein, 8 au départ de cette épreuve qui vont rejoindre le rang des disqualifiés. Bon, ça arrive hein, dans ces petites catégories, les chevaux se font progressivement, mais en tout cas, la favorite, elle, Onator Putain, reste au trot et elle le fait, elle triple la mise, elle reste invaincue. Elle n'en restera sans doute pas là. Victoire d'Onator Putain, donc le 12 s'impose très facilement dans cette épreuve.
Direction désormais Solvalla.